question, s'il vous plaît. On peut vous poser une question? Qu'est-ce que vous pensez des homosexuels? Non. C'est rigolo. Tu n'es pas naturel, c'est tout. Hein. Vous vous le représentez comment? Mais je ne me présente pas comme un déchet de la nature. Comment ils sont physiquement pour vous? Ignoble. On soigne toutes les maladies. Je crois qu'il faut les soigner, c'est tout. Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Je les côtoie, ils sont charmants. Ça, je me demande même si c'est réel. C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors, c'est déjà deux choses différentes. Je tiens à certaines valeurs et je ne veux pas de cette société dégénérée. De plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage. C'est vraiment une abomination, un zeste contre nature. Il faut surtout pas laisser faire ça. Et puis c'est contre la loi de Dieu. Les gens ont oublié Sodome et Gomorre. Ils ont la mémoire courte, les hommes. Ils ont la mémoire courte. Je me souviens. Avant les premiers baisers, avant les premières caresses, avant même les premiers regards et le premier sourire de se savoir regarder, il y eut l'insulte, comme un crachat et un baptême. Une inquiétude et un mal-être, ma honte. Mais je lui dois aussi le premier cri de mon âge d'homme. Je m'appelle Sylvain Desmilles et je suis une pédale.